Je dois dire que c'est le terme de plusieurs mois de boulot. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup de bonheur parce que soleil, du monde, de la bonne ambiance et puis du sport. Parce que le sport et moi, c'est une vieille histoire. Et au niveau du Blémar, elles seront accompagnées par les jeunes sapeuses pompières du collège Henri Robillard du Blémar. Je crois que c'est ainsi qu'on dit maintenant, puisqu'on féminise. Voilà, et elles monteront ensemble jusqu'à l'arrivée. Les Lozelles sont partis ce matin en avant-course, accompagnés par un motard et par un véhicule et une remorque pour porter les vélos. Elles sont parties à 15, je crois, de Mayrace, à 9h du matin. Elles ont franchi le col du Père Juré, elles se sont arrêtées pour un petit temps de recueillement à la stèle Roger Rivière, commémore le 60e anniversaire de l'accident de Roger Rivière, qui a mis un terme à sa carrière, qui était bien brillante carrière, mais courte. Et les filles ont fait tout le parcours, c'est-à-dire les 136 km, les 2600 mètres de dénivelé. Merci. Bon, on va se parler aussi. Si, on va vous mettre derrière. On va tellement descendre. Bah, ça va, on se sent bien, on est arrivé maintenant, donc on a bien profité. C'était super sympa, voilà, des copines qui roulent ensemble, tout le monde s'attend, il a fait beau, il y avait des gens un petit peu sur la route, les paysages sont super comme d'habitude. Donc voilà, et puis on s'est régalé, on a passé une super journée. Voilà. Merci. Et ben, très heureuse d'avoir fait l'intégralité du parcours avant les professionnels et avec les Lozelles dans notre beau département de la Lozère. Et comme d'habitude, super accueil ici avec le DCFIA. Et maintenant, on a hâte de voir arriver les femmes professionnelles. Plus écologique que ça, c'est pas possible. Et donc, le vélo? C'est pour ça que je suis venue à pied. Mais j'ai fait du vélo jeudi, hein. J'ai fait du vélo jeudi. C'est important pour la Lozère comme ça d'accueillir des étapes. Oui, alors cette épreuve, nous, le conseil départemental, on la soutient depuis le départ. Avec la commune Mont-Lozère-Goulet, hein, donc avec le maire qui est là. Et pour nous, c'est important parce que ça met en valeur le sport féminin. Et il y avait des tas de valeurs qui étaient autour véhiculées par cette étape. Et puis aujourd'hui, ça devient aussi une fête sur le territoire, puisqu'il y a des Lozériens qui s'y investissent. Les Lozelles, par exemple, qui, depuis 2 ans, qui font le trajet. Voilà, donc c'est important, oui. Et je suis sponsorisée aux couleurs. Alors ce matin, au départ de Mayrace, nous avions un peloton de 112 filles. Il y a eu beaucoup de dégâts dans l'étape du Vercors. Il a fait très chaud, elles ont fait 3600 mètres de dénivelé, il y a eu beaucoup de dégâts. Et puis, donc ce matin, 112 filles, avec de belles pointures quand même. Hein. Nous avons la championne d'Espagne qui aujourd'hui est en tête de la course, qui également détient le maillot à poids de meilleure grimpeuse, maillot vert de meilleur au scratch. Voilà, je l'attends aujourd'hui à la première place ici. Et puis d'autres championnes nationales, Japon, Colombie, voilà. C'est ça, bon, on a un certain nombre de grandes épreuves hein, sur le département, hein, le tour du Gévaudan, le tour de Lozère en VTT, enfin voilà, vélo, le tour du Gévaudan qui a repris aussi depuis 2 ans, et puis celle-là, hein, pour les filles, hein, qui est superbe. Quoi. C'est une vraie marque de reconnaissance, en fait. Oui, c'est une marque de reconnaissance. Alors concrètement, l'appellation, c'est quoi? C'est la fédération qui le donne, hein. La fédération française de vélo et de cyclotourisme, qui donne cette labellisation, et qui permet en même temps de médiatiser là-dessus. Donc il y a des gens qui savent que c'est un territoire vélo, donc ils auront des parcours, et voilà, ils savent qu'ils seront privilégiés, en quelque sorte, en venant ici. La Lozère est un écran. Exactement. Mmh.